Dans le cycle court du carbone, le carbone est impliqué dans la photosynthèse, la respiration et la décomposition. La photosynthèse est un processus par lequel les végétaux synthétisent de la matière organique, des feuilles, des racines, dont du carbone organique. Ils réalisent la photosynthèse grâce à l'énergie lumineuse du soleil en absorbant le dioxyde de carbone et en rejetant de l'oxygène. Les plantes et les algues à la base de la chaîne alimentaire permettent le transfert du carbone organique vers tous les animaux. Lors de la respiration, tous les êtres vivants, animaux et végétaux, absorbent l'oxygène de l'air et rejettent le dioxyde de carbone. Quand certains organismes meurent, d'autres êtres vivants, les décomposeurs, vont dégrader une partie de la matière organique, feuilles, restes d'animaux. Le carbone redevient minéral et est ainsi rejeté sous forme de dioxyde de carbone ou de méthane, par exemple. Dans le cycle long, le carbone est impliqué dans les processus de combustion et de séquestration. La combustion libère le carbone dans l'atmosphère sous forme d'un gaz à effet de serre qui est le dioxyde de carbone. En effet, ce gaz provient de la combustion des combustibles fossiles, lors des incendies, des feux d'artifice et des dégagements de gaz des usines et de toute autre activité humaine. La séquestration est le processus correspondant à un stockage du carbone dans le système sol-plante fixé dans la matière organique du sol. Ceci va donc atténuer les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. La séquestration piège le carbone sous forme de carbone fossile, de sédiments, de vases, de sable, roches calcaires, craie, aussi sous forme d'hydrocarbures et de pétrole et de gaz. Sur Terre, il existe 4 réservoirs naturels du carbone: l'atmosphère, la biosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. L'érosion de la lithosphère permet la libération du carbone sous forme de molécules de CO2 dans l'atmosphère. Le volcanisme et la combustion permettent aussi la libération du carbone dans l'atmosphère. L'érosion de la lithosphère permet aussi la libération du carbone dans l'hydrosphère. À l'envers, le phénomène de la minéralisation des êtres vivants terrestres ou aquatiques, puis ensuite le phénomène de la séquestration, permet le dépôt du carbone dans la lithosphère.
Notons aussi la présence du cycle de carbone grâce au phénomène de la photosynthèse et de la respiration chez la biosphère terrestre et aquatique. Il existe des échanges entre la forme gazeuse du CO2 dans l'atmosphère et sa forme dissoute dans les océans. En excès dans l'air, ce gaz se dissout dans l'eau froide et salée, acidifiant l'océan superficiel. En effet, le plancton végétal utilise le CO2 par la photosynthèse pour produire de la matière organique. Il utilise aussi les carbonates dissous dans l'eau pour faire son squelette. Par la suite, quand les organismes marins seront morts, ils tombent au fond des océans. Le phénomène de sédimentation et de séquestration du carbone permet le stockage du carbone dans les couches profondes marines et par la suite dans les couches de la lithosphère.